pays d'Haïti. Je demande qui est le pays d'Haïti. M'habitué à dire, tout le monde connaît, son catastrophe qui a visé des pays ailleurs. Cependant, on n'est pas pessimiste sur le pays parce que a fait marcher mal. Nous d'accord qu'a fait marcher mal. Nous d'accord que dans le pays, il y a son désastre. Cependant, dans le trou nous nous levez les yeux, nous disons nous avons une lumière qui a déplacé. Et mes systèmes pile sur ça moi-même, en tant que secrétaire général de RDNP, moi dis nous te mettre dans n'importe qui trahit, il y a un espoir qui dans le pays et qui a exprimé dans le pays, mon Dieu, pas ouais ça. Donc, CTH Kounia qui a pour réorganiser les pour faire unité. Ce n'est pas par hasard, mes amis. Ce n'est pas par accident. C'est parce que ça correspond à un besoin. Besoin d'unité syndicale de manière pour nous refaire pays. Et me constater moi-même, au moins particulièrement, l'MT président commission de commémoration bicentenaire. Je parcours le pays dans les 10 départements, dans les 10 chefs-lieux. Je constate un bagage. Tout le monde est en bas. Et cependant, en même temps, je l'ouvre les yeux pour que ça, parce que je dis, le pays est capable de changer, le pays a doué pour le changer, le pays a pral changer. Et c'est ça surtout qui est important. Son message que si nous faisons l'effort que nous avons besoin de faire, que nous devons faire, le pays a changé, et le pays a voulu changer, et le pays a pris direction pour le changer. C'est nous pour connaître est-ce que nous sommes capables, nous-mêmes, organiser bourrade là. Et ça nous même des bendous habitués dit un sursaut national. Le pays a besoin d'un sursaut national pour recommencer à monter. Le pays a dit tombé. Mais j'ai chanté d'autobusset là que moi-même personnellement toujours. La occasion pour me babayer. Le pays d'Haïti songeait ça le déye. Il était maman liberté. S'il tombait, la pleuvait. Or nous tombons aujourd'hui. Donc nous allons lever. Et c'est le message réel que nous gagnons nous-mêmes pour le pays d'Haïti. Il tombe la terre, mais elle peut lever. Mais pour lever, il faut gagner des conditions. Et beaucoup de peuples haïtiens arrivent à réaliser des conditions. C'est la préoccupation, c'est la souci, c'est la inquiétude. Nous sommes capables de lever, mais est-ce que nous prenons direction pour nous lever? Et c'est la grosse question. Le professeur Maniga, parallèlement, il y a un climat d'insécurité dans le pays. Quelle position est officielle RDNP par rapport à la situation ça? Oh, nous parler de ça. Vous pouvez imaginer la quantité de fois. Ma bonne petite bagaille. Je suis passé à Miami, il y a des femmes passées. Nous amis, moi qui suis secrétaire d'ailleurs dans la branche RDNPA, qui montrait moi, et je me montrait mon vidéo de une conférence de presse que je suis l'aime au pouvoir. Et une bonne partie de la conférence de presse était sur la question de la sécurité en Haïti. Et qui j'aime poser problème. Là. C'est-à-dire que son vie est questionnée, cependant, je dis, il est dans un stade côté inacceptable, intenable. Mais dis-le déjà à plusieurs reprises, il n'y a aucune possibilité pour bagaille ça continuer dans le niveau d'insécurité qui vient dans le pays. Aucune impossibilité. Le pays va tomber dans la fin de sécurité ça si nous pas régler rapidement, c'est lui-même qui est responsable que nous tombions véritablement sans pas pleuver. Mais même d'après moi, si on a parlé d'urgence dans le pays d'Haïti, première urgence, c'est la lutte contre l'insécurité. Et il y a moyens, mes amis, et il y a technique pour ça, il y a solution pour ça. Le problème, c'est la décision politique, c'est entendu, mais c'est aussi mettre tous les moyens possibles, moyens nationaux, impliquer tout le monde là-dedans et moyens internationaux car nous allons quitter nos forces étrangères sous territoire nous pour c'est un petit bagage tout petit fait non l'irresponsable avec nous pour nous mettre fin à l'insécurité. Donc pour nous c'est clair et d'ailleurs le dernier brochure que vous faites publier sur les nouveaux impératifs de la conjoncture là où est que développement le plus important que nous baille avec solution problème, c'est sur l'insécurité. Pour nous, on ne peut pas faire rien sans pas résoudre le problème d'insécurité. Et sur le plan social, l'autre, si on veut résoudre l'insécurité, il faut aller côté une source d'insécurité, c'est-à-dire l'inégalité dans le pays, inacceptable. Donc c'est ça le problème. Tout le bagage est aimé, tout le bagage est prioritaire. Cependant, j'ai une question à présenter.
jodi avec la fin, la vie chère, faut mettre en avant les moyens de combattre avec succès l'insécurité, parce que c'est tout le monde qui l'a dedans. Bourgeoisie à Kounia, il rentre dans l'insécurité, elle va comprendre cette privé pour lier dans le niveau ça, des victimes. Classe moyenne, dit ou partir ou périr si l'insécurité a continué. Mais masse peuple là, il est déjà dans une situation de gisant, il est dans une situation que il dit pas ouais comment l'a sorti alors qu'elle voulait sortir. Mais l'insécurité, c'est les victimes ni davantage malgré tout sortant de là. Parce que les gens qui ont l'argent pour payer rançon, il est malheureux, il n'y a pas l'argent pour payer rançon. Or, les victimes sacrifiées, ils ont torturé. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que même si je suis en tant que leader politique, je suis responsable. Je ne sais pas tout le bagage dit devant le micro. Même tendez, dit, je espéré que ce n'est pas vrai. Que les petits malheureux dans le pays d'Haïti, qui pas de bailler rançon, et que l'air libéré petit là, je ne crois pas vrai. Ils ont libéré, ils ont crevé les yeux. Je ne crois pas que c'est possible. Ils sont malheureux. Ton pauvre, parce que le paquet d'argent sur moi, moun qui victime d'abord la sécurité, c'est malheureux. Donc faut faire attention, mes amis. Son problème national lié, l'on a parlé à nous parler en termes de responsables dirigeants. Nous pas coupables, non, mais nous responsables de ça que vous faites dans le pays, de manière à ce que nous mettons fin à un paquet de bonnes bagailles et d'abord, en priorité, pour le moment, la sécurité.